Et c'est l'heure maintenant d'aller dans les coulisses du basket français. Chaque semaine, Lucas Nico vous fera découvrir un joueur, un club, une personnalité. Ce midi, direction Mont-de-Marsan, chez l'ancienne capitaine des Bleus. Céline Dumerc a pris sa retraite, mais elle est restée dans son club de Basketland. Les images sont signées Vincent Pifto. Salut à tous, aujourd'hui on est à Mont-de-Marsan pour rencontrer Céline Dumerc. La légende du basket féminin a pris sa retraite, mais vous allez voir qu'elle n'a pas vraiment quitté les parquets. Salut Céline, comment tu vas? Salut, impec. On est ici à la boutique de Basketland. T'as pris ta retraite il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de mai. Et pourtant t'es toujours dans les locaux, qu'est-ce que tu fais là? Je suis passée de l'autre côté, hein, j'étais joueuse et maintenant je fais partie des dirigeants, donc j'ai le titre de directrice sportive de Basketland. Lancée dans un nouveau défi, celle qu'on surnomme Caps a laissé après 23 saisons professionnelles un immense héritage. Bien sûr avec l'équipe de France, un titre européen et une médaille d'argent olympique en 2012, mais aussi 7 titres de championne de France, dont le premier de l'histoire pour Basketland, le club de Mont-de-Marsan. L'exploit qui a été le vôtre de maintenir la coupe à la Lémon. Voilà, votre maillot à votre nom. Voilà. Je suis obligée de le porter. Ah, vous êtes obligée de le porter. Sur le banc. Il nous manque une joueuse. Si une joueuse est blessée, à tout moment, on fait appel à vous. Tu reçois encore des honneurs en tant que joueuse, alors? Oui, oui, oui. Ben là, c'était pour célébrer la coupe de l'année dernière. C'était en fin de saison, donc du coup, la préfète n'avait pas eu le temps de nous recevoir en fin d'année. Donc elle a voulu, à l'aube de la nouvelle saison, faire cette petite réception. Donc, pendant quelques temps, je vais être encore joueuse et de temps en temps, je vais me sentir concernée. Je vais dire nous, aux filles qui jouent sur le terrain, et je vais m'inclure dans le groupe. Hein. Ça va pas s'effacer du jour au lendemain comme ça. Je vais rester plus avec les vieux maintenant. Nous, on a l'habitude. Un titre, un kilo. Ah, d'accord. Ça marche comme ça, en fait, chez les dirigeants. Putain, je suis dans la merde. Bonjour à tous. Déjà, merci. Merci d'être venu. Je pense que vous voyant ici, je pense que vous êtes impatient de découvrir cette nouvelle équipe. Une première saison en tant que directrice sportive est déjà un grand challenge pour Dumerc, qui cet été avec le club a dû presque tout reconstruire. Avec 7 départs et presque autant d'arrivées, que joue-t-on cette année dans les Landes? Ce que Basketland a toujours joué depuis maintenant, en tout cas moi, ça fait 7 ans que je suis au club, et on joue un peu toujours la même chose, on essaie d'être le mieux placé possible. Mine de rien, on a eu 3 incroyables dernières années avec un titre de champion de France et 2 titres de Coupe de France d'affilée, donc ça fait 3 années, 3 titres. Bien sûr qu'on pourrait se rêver, on dirait allez, maintenant on va finir un 4e titre de suite. Non, voilà, là on repart sur quelque chose de nouveau. Et côté nouveauté, il y aura Marie Pardon. Arrivée de Tarbes, la jeune meneuse de 22 ans devra s'habituer à la méthode du Merc. Elle m'engueule beaucoup, elle me dit de prendre mes tirs, mais non, des fois elle me donne des petits conseils, elle me fait des petits retours, parce qu'elle forcément elle voit ça de l'extérieur maintenant, donc je pense que du coup elle a plus de recul et qu'elle peut m'apporter des conseils assez précieux. Yes, there is a control anti-dopage, the woman is just there, so I will find out what's going on and I will let you know. Voilà, c'est cadeau, allez salut. Drink a lot of water. Ça fait partie des nouvelles fonctions. Eh bien apparemment. Tu vois, je découvre en même temps que vous êtes là, c'est des nouvelles missions qui se greffent à mon nouveau job. Quoi. Contrôle antidopage. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Moi j'étais retraitée, ça marche plus sur moi. Pas de contrôle antidopage pour la jeune retraitée, mais une chose n'a pas changé dans la vie de Céline Dumerc, sa popularité auprès des fans. Celle de victoire, ouais c'est vrai.